5e festival manga Japanorea et culture asiatique. Madame Michèle Saluki, maire de Valoris Golfe-Juan, vice-présidente du conseil départemental des Alpes-Maritimes, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je dois excuser l'absence de monsieur le consul général du Japon, qui a eu un problème de dernière minute et qui n'a donc pas pu être présent ce soir. Et il le regrette beaucoup, et nous aussi, bien entendu. Donc j'ai le plaisir de vous présenter la 8e édition du festival manga, avec pour la première fois avec le Japon, une autre puissance invitée, le Vietnam. La culture manga a pris place dans notre ville dédiée à l'art et à la culture. Elle représente l'un des nombreux aspects de la culture asiatique, sous la forme de bandes dessinées, de séries d'animation, de films, etc. C'est une alternative, jeune et moderne, destinée à un nouveau public que vous êtes et que je salue. Ce festival, créé en 2007 par une équipe enthousiaste, a grandi au fil des années, attirant de plus en plus de visiteurs de tous âges. Samedi et dimanche, vous seront proposées des animations culturelles et ludiques pour petits et grands, des livres, des bandes dessinées, des DVD, des jeux vidéo sur écran géant, diverses démonstrations d'arts martiaux, japonais, vietnamiens, des ateliers d'origami, de tatouage, de maquillage, des stands de katana, des éventails, bijoux, objets traditionnels. Voilà. Samedi soir, vous viendrez défier Genius, champion de Street Fighter Ultra. Moi, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais c'est très définitif. Alors, il est champion. C'est un monsieur charmant, très sympathique, un jeune homme. Champion de Street Fighter Ultra et Tekken. Il est animateur de la chaîne TV Game One. Et c'est un grand honneur pour nous de l'avoir avec nous. C'est lui qui nous a contactés, en plus. C'est vrai, hein? Voilà. Merci de votre gentillesse. Alors, je remercie et je félicite les équipes organisatrices de cet événement. Jeanne Gagnon. À l'origine de ce festival. Et Marlène Arena. Au niveau administratif. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je ne parle pas dans le micro. Son binôme administratif est particulièrement efficace. Je remercie le soutien des services culturels, de la bibliothèque, de l'espace Grandjean, de l'espace loisir où nous sommes. Je remercie les services municipaux chargés de l'organisation matérielle qui est très lourde, comme vous pouvez penser, pour un festival qui dure 48 heures. Dans ces deux salles, la salle Omnisport et la salle Minotaur, celle où nous sommes. Alors donc, les services municipaux fêtent des cérémonies, centre technique. Ils sont extraordinaires, ils nous ont apporté un soutien dans les difficultés, ils ont assuré d'une manière formidable. Je vous présente enfin la nouvelle venue qui rejoint nos équipes en la personne de Carole Baudet. De Carole, c'est vous. Carole Cerito prend la direction des services événementiels et culture. Elle va nous faire bénéficier de sa grande expérience professionnelle et de ses réseaux relationnels dans les services dont elle a la charge. Elle est déjà entrée avec enthousiasme et efficacité dans les divers aspects de son travail et elle va vous dire quelques mots. Je suis sincèrement ravie d'avoir rejoint
les équipes de la direction des affaires culturelles de la ville de Vallauris-Golfe-Juan. Je suis également très touchée de la confiance que m'accorde Madame le maire et toute son équipe municipale. Et je constate avec énormément de plaisir que toutes les équipes attachées à la direction des affaires culturelles sont des équipes formidables, motivées, avec plein d'énergie, et je pense qu'on va mener à bien de nombreux projets sur la ville de Vallauris et de Golfe-Juan. En tout cas, je vous remercie. Bravo. Japonais et vietnamien. La présidente d'une association caritative dédiée à un orphelinat au Vietnam viendra vous en parler, Mrs. Simpson. Un tombola est organisé à leur intention, samedi et dimanche, avec comme prix une œuvre originale de l'illustrateur Olivier Sanfilippo, œuvre. œuvre exposée sur son stand. C'est une œuvre originale et un certain nombre de ses œuvres sont exposées dans le hall d'entrée. C'est magnifique. Nous vous présenterons ultérieurement, plus longuement, Olivier Sanfilippo au moment des changements nécessaires sur la scène. Et le tirage de la tombola aura lieu dimanche en fin de journée à 18h. À l'entracte, vous aurez la possibilité d'acheter des boissons, des sandwichs proposés par le restaurateur vietnamien Tuazen. La soirée sera clôturée sur le parvis par un spectacle de lanterne en honneur de la fête traditionnelle de la Lune. Et je passe la parole à Madame le maire. Voilà, je vous remercie d'être venus aussi nombreux rassembler, vous tous et toutes, connaisseurs et connaisseuses de ce festival manga, le 8e, une belle soirée s'annonce. Vous avez pu voir la programmation, je crois que vous allez être enchantés par tout ce qui a été travaillé par les équipes que je remercie, Marlène, Jeanne, Carole nouvellement arrivée, les équipes techniques, bien évidemment, et évidemment, surtout, l'adjointe en charge donc, de ce festival, Madame Roise, qui a été effectivement très efficace, très enthousiaste, très engagée. Alors, vous l'avez vu, à Vallauris, nous rassemblons des compétences, peu importe le genre féminin ou masculin, ce sont les compétences qui comptent. L'important, c'est l'engagement, l'enthousiasme, et vous tous, vous montrez cet engagement autour de ce festival culturel et festif. Et surtout, nous accueillons de nouvelles cultures, vous avez vu le Japon, mais aussi les autres cultures, Vietnam, Corée, etc. Et vous allez voir que véritablement, c'est un partage qui apporte un véritable enrichissement et personnel et sur une ouverture sur le monde extérieur. Je crois que la France et notre commune s'enrichit de ses apports culturels, de ses histoires différentes, de ses vécus. Je vous remercie tous. Nous regrettons effectivement l'absence de Monsieur le Consul qui a été empêché ce soir, mais je pense qu'il fera sans doute une petite visite dans le week-end. Je vous souhaite une très belle soirée et un grand succès à ce 8e festival. Bonne soirée.
4 siècles. Bien qu'ayant profondément évolué, en particulier à l'époque d'Edo, elle a su préserver sa nature profonde et rester un pilier de la tradition culturelle japonaise, au même titre que le kabuki,